Bonjour et bienvenue sur Holist TV pour ce Ouvrons la boîte consacré à The Witcher, le jeu de rôle officiel qui vient de sortir chez Arcane Asylum. Alors un petit Ouvrons la boîte puisque vous avez été nombreux à nous demander notre avis dessus, savoir si on ferait une critique. Donc on vous livre déjà un premier avis à chaud et enfin Benjamin qui est un petit peu plus spécialisé pour les adaptations, notamment les adaptations vidéoludiques, eh bien, on vous fera une critique plus poussée au mois de juin. The Witcher, à la base, ce sont ces romans de Andrzej Zaprowski, excusez-moi pour ma prononciation du polonais, intitulé Le Sorceleur dans leur version française, notamment les versions de chez Bragelonne, comme vous pouvez le voir, cette très belle édition. Mais The Witcher, comme je vous le disais, c'est du jeu vidéo aussi par CD Projekt, qui est ici à livrer un jeu de rôle, accompagné donc de Talsorian Games et Arcane Asylum Publishing pour la version française. Il est à noter que cette version française est sortie sans aucun financement participatif. Le jeu de rôle est une adaptation du jeu vidéo et non des romans directement. C'est donc CD Projekt et les jeux vidéo qui sont ici adaptés. Et pour ceux qui suivent un petit peu, puisqu'il y a eu 3 épisodes jeux vidéo avec le tout dernier Wild Hunt, eh bien The Witcher, le jeu de rôle, se situe entre le 2e et le 3e volet. L'intérieur, vous allez le voir, entièrement en couleur. Donc on retrouve le petit logo, hop, la marque des sorceleurs. Et donc on arrive sur l'entrée de gamme, donc on voit 334 pages à peu près. Une bonne partie est pour le monde, on va le voir, la création de personnages, les équipements, etc. On a une 100, allez, 105, un peu plus de 150 pages. La géographie commence à la page 178. Déjà on a un bon topo d'une quarantaine de pages de situation géographique et enfin le guide du maître après. Donc on revient sur le monde de The Witcher. The Witcher est un monde de dark fantasy, c'est-à-dire vraiment un univers assez sombre, pas épique. Donc on va plutôt avoir des choses assez dures à vivre et des histoires assez pesantes avec des fins pas forcément très heureuses. On revient sur les dernières nouvelles avec The Witcher 1 et The Witcher 2 et quelques mois avant The Witcher 3, comme je vous le disais. On retrouve les fiches des personnages, des grands personnages rencontrés dans la série, donc avec notamment Gérald de Rive. Donc voilà une petite entrée en matière pour arriver sur la création de personnages. Création de personnages qui peut se faire de deux manières, de manière aléatoire, ou bien de manière plus précise si on a une idée en tête de ce qu'on veut jouer. Puisque sinon, on va pouvoir tirer à travers différents tableaux. Donc on peut jouer un sorceleur, mais on n'est pas obligé de jouer un sorceleur. On retrouve les différentes races. Et c'est là le parcours, en fait. Donc tout le parcours, voilà, je vous le disais, on peut tirer au hasard. À chaque fois, il y a un jet de dés. Et tout est fait au hasard. Le destin parental, le destin familial, la situation familiale. Donc on va tirer au sort un petit peu tous ces événements qui vont thématiser notre personnage. Et sinon, bah, on les choisit tout simplement dans le listing. Donc les professions qui sont au nombre de 9, donc on peut être un artisan, un barde, un criminel, un docteur, un homme d'armes, un mage, un marchand, un prêtre, et enfin le fameux sorceleur. Donc on n'est pas obligé de jouer sorceleur, alors vous allez le voir, le jeu met quand même un petit peu l'accent dessus, mais c'est en toute logique qu'on va retrouver les sorceleurs dans cet univers, mais on peut totalement jouer autre chose. La description des compétences, les tests de compétences qui sont assez basiques puisque votre personnage va avoir des caractéristiques et des compétences, on additionnera un des 10 pour dépasser un seuil de difficulté. Strictement supérieur et non pas supérieur ou égal, c'est à noter. Donc là on est dans un système relativement basique. La réputation, les arbres de compétences, donc là, on reviendra en détail lors de la critique sur ces différents arbres. Là, pour l'instant, je ne les ai pas encore regardés précisément, mais voilà, on en a un pour chaque profession. Les arbres, alors vous le voyez, c'est beaucoup de tableaux quand même, hein. C'est un jeu un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire,
en termes de mise en page, beaucoup, beaucoup de tableaux. Les articles alchimiques. Il est à noter que, on va le revenir peut-être, je crois que c'est un petit peu après, mais il est à noter que on peut tout simplement adapter le système de craft qu'on trouve dans la plupart des jeux vidéo de ce type. Et donc là, on va pouvoir tout simplement faire du craft voilà, je suis ici, c'est les systèmes d'artisanat, et donc on va pouvoir recycler, on va pouvoir crafter, faire nos propres armes, etc. Donc, avoir peut-être un système un petit peu lourd pour ma part, mais j'ai pas encore regardé en détail comme je vous le disais, donc c'est vraiment là pour le coup un a priori. Donc là, toute la section magique, donc on retrouve en haut, petite chose bien vue, ces différentes couleurs pour se retrouver facilement dans l'ouvrage. Et donc l'artisan et l'alchimiste vont avoir leur système, donc le système d'artisanat comme je vous le disais pour les objets, et on va avoir la même chose pour les potions d'alchimie, le système d'alchimie où on va vérifier qu'on a les bonnes formules, vérifier qu'on possède les composants et faire un jet d'alchimie. Donc là, une adaptation, donc les composants qui sont ici sous forme de symboles. Le combat dans The Witcher, le combat est assez proche du système de base, si ce n'est qu'on va avoir ce système de localisation, c'est-à-dire qu'on va devoir faire un jet de dés pour savoir si on touche, puis après un système pour savoir quelle zone on touche. En fonction de la zone, ça va adapter aussi le tableau de lecture. La magie, l'exemple de combat, les règles optionnelles, et on tombe donc sur la géographie. Hop, le petit signet. Géographie du monde qui est assez intéressante puisque on est dans un monde assez vaste. Donc comme je vous le disais, un univers de dark fantasy. Donc ici, un petit peu de magie, mais rien d'épique. Ne cherchez pas à vous dire que vous allez faire de l'héroïsme dans l'univers de The Witcher. C'est pas du tout l'intérêt du jeu. Le guide du maître de jeu. Donc on va revenir sur différents points. Alors je vais essayer de vous trouver aussi quelques pages, je ne sais pas si c'est mon édition, mais j'ai beaucoup de pages qui n'étaient pas très très bien imprimées, avec une lecture qui était un peu en décalé. On voyait bien que c'était l'impression qui n'était pas la meilleure. Donc faites attention quand vous achetez votre exemplaire, s'il y a quelques ratés sur certains exemplaires. Alors là forcément je ne vais pas retomber dessus, mais sachez que voilà, il y a quelques pages qui sont parfois mal imprimées, avec le procédé qui fait différentes couches et qui a subi un petit décalage, donc qui peut être un petit peu gênant à la lecture. Le bestiaire, donc là on retrouve les différentes catégories de monstres, le bestiaire qui se base sur le jeu vidéo. Donc les mages, là on retrouve, j'allais dire les créatures plutôt humaines, mais non, ça y est, on tombe sur les créatures qui ne sont plus très humaines. Les loups, le loup-garou. Donc là. Et enfin, en tout dernier, donc on a un scénario d'introduction. Donc, bonne nuit à tous. J'espère que son nom n'est pas... Alors les plans, très sommaires, les plans là, pour le coup, on aurait aimé un petit peu plus. On est habitué à du travail de meilleure qualité là, mais la feuille de personnage là aussi, très, très à l'ancienne. Donc voilà un petit peu ce que contient The Witcher, le livre de base. C'est vendu 49€. C'est par une traduction de Arcane Asylum. On retrouvera donc tout le nécessaire et pour le coup, pour avoir pas connu beaucoup le jeu vidéo, mais avoir parcouru le système, le chapitre géographie, j'ai l'impression qu'on a pas mal d'éléments quand même pour adapter l'univers. Le système, lui, à voir un petit peu, j'ai un petit peu de doute sur le système de combat, et c'est surtout ce qui va être intéressant à voir, c'est si l'univers propose réellement de jouer autre chose que des sorceleurs. En tout cas, c'était le... Ouvrons la boîte de The Witcher, on vous ferait une critique plus détaillée au mois de juin. A très bientôt sur Rollis TV.